Salut les amis, donc c'est Carbone. Donc on se retrouve sur Black Ops 2 avec le menu anti-fed. Donc comme vous voyez, j'utilise juste le radar. Moi j'utilise rien d'autre. Donc je vous présente ce petit menu. Donc vous pouvez tout faire. Il y a le God Mode, munitions illimitées. Vous pouvez débloquer tous les trophées, débloquer les camouflages, faire apparaître des avions, contrôler même les avions. Vous pouvez vraiment, mais vraiment tout faire. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo sur Black Ops 2. Pour si dire, c'est ma deuxième fois que je joue au snipe, car je joue jamais au sniper. Mais je commence un peu à aimer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que vraiment je suis une grosse merde de sniper. Mais vraiment. Pour ceux qui veulent, dans le lien de la description, vous commentez et je vous le dirai. Ah oui, c'est vrai, lui, il m'a bien cassé les couilles, lui. Donc oui, pour celui qui veut, vous me le dites, celui qui a une PlayStation 3 jailbreak. Moi, j'ai tous les DLC gratuits, donc tous les packs de cartes. J'ai vraiment tout, mais vraiment tout gratuit, quoi. Donc vraiment, celui qui le veut, vous me le dites, je mets les liens. Vous les téléchargez, c'est des fichiers PKG, vous les installez, puis voilà. Vous avez tous les packs de cartes, vous avez vraiment de tout quoi. Donc là, c'est vrai qu'au début, je me suis bien fait avoir quand même. 4-6, c'est pas énorme. Comme vous pouvez voir, je vous l'ai dit, j'active que le radar moi. Donc sur ce, ben, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Donc il n'y aura plus de commentaires de ma part. Donc si vous avez des choses à me dire ou des trucs à me dire pour moi m'améliorer, dites-le moi. Ah oui, lui, j'ai pas compris de toute la partie. À chaque fois qu'on le visait, il disparaissait. J'ai peut-être réussi à le tuer peut-être 3-4 fois, sans plus. Mais bon. Bon, sur ce les amis. Je vous souhaite une agréable vidéo et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker.
Alors là, il faut pas me demander comment j'ai réussi à les avoir, car quand on regarde la vidéo, je les vise pas du tout. Mais je ne sais pas. Donc voilà les amis, c'était mes débuts au sniper sur BO2. Donc là, je vais avancer la vidéo pour vous montrer à peu près le score que j'ai fait au dernier moment, quoi. Mais sinon, vraiment, ça a été pour un début, quoi. Je sais même qu'arrivé à un petit moment, je fais une petite doublette. Je ne sais plus c'est à quel moment, mais je sais qu'à un moment je fais un petit double. Ah, je crois que c'est peut-être à ce moment-là. Attendez, on va revenir en arrière, je vais mettre pause. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là. Donc là, c'est là où je me fais tuer. Un petit peu. Voilà, je crois que ça c'est peut-être ici. Là, j'en ai un. Ah bah non, c'était pas ici. Ce n'était pas ici, les amis. Peut-être que je l'ai déjà passé. Là, j'avais changé d'arme. Je sais plus ce que j'avais pris, la Peacekeeper je crois. Comme je vous ai dit, avec les DLC que vous allez télécharger sur votre PS3 jailbreak, vous avez tout, vous avez la Peacekeeper, tous les réticules pour les viseurs, vous avez tous les emblèmes, vous avez tout débloqué en fait. Les camouflages, la carte d'agent, etc. et tout, vous avez vraiment tout de débloqué. Ce qui est vraiment pas mal et gratuit en plus. Au lieu de payer des dollars, mettre de l'argent dedans, quoi. Vous l'avez vraiment gratuit. Ce n'est pas mal, quoi. Donc là, la vidéo, je pense, ça va bientôt finir. Ah bah non, en fait, ce n'est même pas moi. Comme vous pouvez voir, j'avais quitté la partie. Parce que ça faisait plus de 30 minutes, normalement. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Dites-moi comment je peux faire pour essayer de m'améliorer au snipe, surtout. Car c'est mes débuts.
J'ai jamais joué au sniper sinon. À part entre amis, mais je me faisais tout le temps un peu, comment dire, défoncer. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, les amis, bonne journée à vous.